Je me demande toujours, le mot pour moi, c'est primordial dans ma vie, dans mon enseignement et dans le jeu aussi. Parce que si on pense que la musique, ça n'est que les émotions, c'est faux. Dans ce cas-là, tout le monde doit aller tout de suite, les compositeurs et nous aussi, par la même raison, dans la maison des fous. Alors, ce sont les écrivains, bien évidemment, tous les compositeurs. Et comme tous les écrivains, ils mettent sur le papier, ça se produit comme le son, pas comme les mots, leurs pensées, leurs imaginations. Et bien évidemment, comme nous parlons, moi je suis très émue, hein, et je parle, je pense que de manière assez émotionnée, parce que je suis comme ça. Et voilà, mais les compositeurs, c'est la même chose. Bien évidemment, tout ce qu'on dit, ça nous touche sur le niveau émotionnel. C'est exactement la même chose. Alors, je me demande pourquoi et où ça se trouve dans la musique Cendrillon et Ivan Dvorak. Regardez, Ivan Dvorak, c'est le personnage imbécile. Ivan imbécile. C'est le personnage comme Cendrillon, qui est devenu un prince. Voilà, Cendrillon aussi. Lui, il était tout le temps allongé et tout le monde disait qu'il servait pour reposer toute sa vie. Et tout le monde disait que, tiens, voilà, il ne faut faire rien, il est paresseux, etc. Il faut qu'il a. Un jour, il est sorti un poisson qui lui a dit, il y a encore un autre, mes amis russes peut-être vont mettre des poissons. Proche. Voilà. Et lui, il y avait des mots, disons, miraculeux. Il fallait qu'il dise pachouk chez mon ménage, ça veut dire c'est comme proche hors d'eau. Voilà, je veux ça. Je veux, admettons que Beethoven, je pense, marche sur lequel il s'est reposé. Alors, ça marche vers le château, etc. Je ne vous raconte pas toute cette histoire, sinon on va travailler. Cendrillon aussi, qui est devenue la princesse. Alors, forcément, dans cette musique, nous devons avoir et les modes européens et quelque chose russe comme une natte, hein, dans la musique. Voilà. Donc, d'abord, je veux bien dire bravo, c'est très très bien ce que tu dis. Maintenant, je propose les choses. Ce qui me manque, c'est peut-être le ré qui entend. Le son, ça se crée comment? D'abord, c'est l'image, puis après, l'image, parce que on dit, le grand chorégraphe Valentin, il a dit que la musique, il faut voir, et la danse, il faut entendre. Alors, on voit la musique, on produit dans les oreilles le son qu'on veut, avec lequel on veut décrire cette image, n'est-ce pas? Voilà, et puis après, pensons, si vous voulez, nos doigts, qui sont 10 musiciens, eux, ils décrivent cette image. Alors, je demanderai, ce qui me manquait parfois, c'est la création de la sonorité après l'attaque. Vous voyez, on peut attaquer la touche et de ne pas entendre connexion, liaison dans la langue française. Et dans ce cas-là, la musique dure trop longtemps et on ne comprend plus rien. Voilà. Je vais parler avec lui russe et français parce que, voilà, c'est comme ça. Il comprend français, mais pas trop comme il le vient. Pas toujours.
avez vos petits-enfants et vos enfants, sachez que ce solfège, l'harmonie du clavier, la polyphonie, contrepoint, c'est extrêmement important si les professeurs peuvent appliquer ça ici. Parce que ce sont les outils de la composition. Comme ça, on peut entrer dans les pensées des compositeurs, figurez-vous. Et la langue de la musique a été, disons, créée par Bach. Puis après, il y avait des développements, et je vais vous dire. Alors, à la base, la majeure, la bémol majeur, c'est la trinité. On se sent bien. N'est-ce pas, Troïs? La majeure, la bémol majeur. Oui, que la chose, c'est la chose. Pour moi, ce Deutsche a été un tout petit peu, je veux te demander, c'est peut-être le rêve de Ivan ou c'est quoi pour toi? Et de son, toi tu me disais que Ivan est de Zorge. Pour lui, c'est son trion, pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je suis dit Brinsko, dans le Michel d'Atchonte, il est chaud. Elle chante. Pourquoi pas? De quoi? Et moi, à la base, 6-4. Figurez-vous que 6-4, à la base, c'est la sacrifice, mais pas forcément de la vie. On peut sacrifier le bon mot. Hein. Peut-être elle chante comme ça. Mais sacrifier ma vie, oui, mais là, maintenant, je rêve d'avoir une autre vie. Il n'y a pas de réponse. Et regardez, c'est presque baroque. Et là, je suis d'accord avec lui que c'est plutôt simple. Là, il est baroque. À ta place, je ne changerai pas ici les staccato jusqu'au bout, comme c'est écrit. On n'invente rien du tout pour comprendre. Sans pédale. Par contre, et là, la pédale, c'est désolé. Admettons. Mi, je n'ai pas entendu jusqu'au bout. Par conséquent, c'était un peu comme ça.
Puis après, connaissance de l'amour, de tout ce que vous voulez, admettons si on prend. Il a cadence.
il faut le regarder dans les partitions, et puis à peu on commence à ramasser, mais sur peut-être un niveau un tout petit peu différent. Autre regard, la faute. Le début jusqu'à la fin.
une chose détestable. Alors, et chez nous, c'est contrepoint. Alors, nos existences.
Le charisme. Ah, mais il y en a pas. C'est genre. Angoisse, là, c'est pas cause, poésie.
l'Everest, mais il faut le Thank you.
bien sûr, mais avant, c'est l'attente pour le tableau. C'est la base, la partie. Après, on peut attendre à ce que tu as, mais pourquoi c'est pareil chez toi? Alors, pour trouver le son, il faut jouer que cette mesure et puis après tout de suite partir à ça. Ici, à propos, il y a la différence. Regarde, ici, il y a les ténors. Pour tout vous dire, je n'ai jamais travaillé ces
Thank you.